On parle de musique maintenant. Boni et Dobe Nyaoré sur une même scène. C'était hier vendredi à l'acoustique discothèque bar à Abidjan. Les deux artistes ont fait montre de leur talent. Le père et la fille ont gratifié le public d'un spectacle plaisant. Serge Coléa. Il n'était pas à l'affiche de ce concert, mais Boni Nyaoré, père, est venu accompagner musicalement Dobe sa fille. Scène la même qui tient, lui son géniteur, cet immense talent de chanteuse, de danseuse et de percussionniste, apprécié à sa juste valeur sur les grandes scènes mondiales. Aujourd'hui, la petite Dobe a quitté le village qui et ne vit plus sous l'aile la protectrice de son père, car elle sait désormais allier fougue, puissance, énergie vitale et charme. Depuis 1999, Dobe fait son chemin. Les mélodies africaines n'ont pas de secret pour elle. Dans une salle comble d'environ 300 places à l'acoustique, cette bête de scène et son orchestre ont donné un spectacle époustouflant, toujours influencé par la tradition panafricaniste du groupe Kiyimbok qu'il a vu grandir. Pendant 2 heures, Anoneko, Na Afriki, Diepalou, les 3 albums de l'artiste ont été passés en revue. Dobe Nyaoré, qui donne ce soir encore un récital à l'acoustique, s'affirme comme une artiste pluridimensionnelle. Si jeune, mais déjà des allures de diva africaine.